Bienvenue à toutes et à tous dans la salle du complexe sportif du Port, ville située environ à 20 km au sud donc de Saint-Denis. Dans quelques instants, vous allez assister à la première rencontre de la poule A du tournoi masculin de basketball. Alors, un match qui va opposer les Seychelles, tenants du titre, à Madagascar. À mes côtés, Johan Guillou, Johan, notre consultant au basketball. Alors, Johan, Seychelles, Madagascar, c'est un peu la finale avant la lettre. C'est un peu des favoris, même beaucoup d'ailleurs, pour cette jeunesse de sur un lien de télévision. N'oublions pas, Seychelles, tenant du titre, enfin encore cette fois-ci de garder son titre, notamment avec une grande star telle Abdel Sila. Abdel Sila, la star, c'est lui que tout le monde attend dans ce tournoi. Ah, exactement, oui, c'est celui qui évolue quand même à Portez, qui maintenant va aller à Orléans. Donc la grande star de l'océan Indien, c'est Abdel Sila. Aujourd'hui, on va voir comment il va évoluer auprès de ses camarades. Mais attention, Madagascar est une équipe favorite. Alors Sila, notez, c'est le numéro 14. Effectivement, il était à Portez, il va jouer à Orléans. Il est passé aussi par un grand club, Nancy. Ce n'est pas rien, là où joue Florent Pietrus actuellement. Nancy, un des grands clubs du championnat de France de basketball masculin. Exactement, oui, Nancy, un grand club formateur où a évolué notamment encore l'année dernière Florent Pietrus de l'équipe de France. Exact. Voilà, donc une grande équipe et un grand centre formateur pour ce grand gabarit qui joue pour les Seychelles. Alors, on va saluer Florent Pietrus, qu'on en a parlé. Florent Pietrus, qui est actuellement avec l'équipe de France qui prépare l'Euro 2015. Je rappelle à ceux qui s'intéressent au basketball que l'Euro 2015 se déroule en France, à Montpellier et à Lille. Et les tenants du titre, ce sont les Français. Voilà, tout est dit. On va revenir au 9e jeu des îles de l'océan Indien. Et on va assister donc à ce fameux match qui va donc opposer les Seychelles qui sont tenants du titre. On rappelle, ils ont gagné il y a 4 ans à domicile face à Madagascar, qui est sans doute, on l'a dit, l'équipe à battre de ce tournoi. Mais attention, dans l'ensemble du tournoi masculin, il faudra aussi se méfier sans doute de l'équipe locale, La Réunion, n'est-ce pas? Ah bah, oui, bien sûr, La Réunion qui est venue avec ses renforts, puisque les joueurs réunionnais évoluant donc en métropole dans des équipes nationales sont venus pour faire partie de cette équipe de La Réunion qui va défendre donc ses médaillés de bronze aux Seychelles 2011, donc qui vont aussi être une équipe à surveiller. Allez, la présentation des équipes à suivre actuellement, on va vous donner ça assez rapidement. Allez, en numéro 4, Rodney Lozé. En numéro 5, Steven André. En numéro 6, Arnaud Harrisol. En numéro 7, Andrew Ratt. En numéro 8, Ron Estico. En numéro 9, Dave Roselyne. En numéro 10, c'est capitaine Bernard Bristol. En numéro 11, Faisal Naiken. En numéro 12, Timmy Adam. En numéro 13, donc Abdel Sila. On en a parlé. En numéro 14, Amadou Sila. Un autre Sila, mais ce n'est pas le même. C'est le frère. On est bien d'accord, c'est le frère, mais ce n'est pas la star attendue. Hein. Ouais, en numéro 15, Robert Léon. Allez, je vous laisse donner les malgaches. Allez, on va donner les prénoms. Allez. Allez, c'est parti. Pour le numéro 4 de l'équipe de Madagascar, Tang Jona. Numéro 5, Yann. Numéro 6, Fabrice Constant. Numéro 7, Romuald-Henri Bruno. Numéro 8, Lalason. Numéro 9, Ndranto. Numéro 10, Daguet est connu plutôt sous son prénom Charles. Numéro 11, Eninsoa Lalaina. Numéro 12, Chanel Declaise. Numéro 13, Guillaume. Numéro 14, Kevin. Numéro 15, Ahmed. Et puis une équipe entraînée par M. Angel et M. Eri Lanto. Voilà, du côté donc des Seychelles, c'est Dominique Guéret et Tony Juliette, donc l'entraîneur et l'entraîneur adjoint. Voilà, donc vous voyez, vous en êtes bien sortis pour les Malgaches. Oui, tout à fait, je me suis sous-estimé. Très bien, parfait. Allez, voilà, le spectacle a déjà commencé. Regardez ces images, on se tait. Voilà, ambiance magnifique dans cette superbe salle du port. Très belle salle vraiment de omnisport. Il n'y a pas que le basketball qui se joue aussi. On peut jouer au handball, on peut jouer au volley bien sûr. Mais c'est vraiment une très belle salle qui va accueillir tous les matchs de basket jusqu'à bien sûr la finale. Oui, c'est une salle qui est régulièrement utilisée pour le championnat réunionnais de basketball. Donc effectivement, cette salle est un peu l'antre du CS Portois, le club local. Et vous, Johan, on va rappeler quand même que votre équipe féminine intamponaise, championne de France N3. Tout à fait. Première équipe à l'avoir fait en Outre-mer, tout sexe confondu quand même, il faut le noter. Premier club de l'Outre-mer à avoir gagné un titre de champion de France, donc de National 3.
les tamponnaises. Donc d'ailleurs, deux tamponnaises feront partie, on verra, dans le futur, de la sélection de la Réunion. Bravo. Allez, le match devrait démarrer dans quelques secondes. Le coup d'envoi était prévu en principe à 16h30 heure locale. On va être heure de la Réunion. Il est 16h30, ça va commencer. Ça va commencer, oui. Voilà, vous avez entendu la sonnerie. Dans deux petites minutes, ça va démarrer. Voilà, on peut rappeler aussi le résultat des. Allez, le premier résultat donc, de la poule B, c'était ce matin. C'était donc entre Maurice et les Maldives. Maurice s'est imposé 77-60. Et puis chez les femmes, c'était aussi au début d'après-midi. C'était donc entre Maurice et Mayotte. Et Mayotte l'a emporté 57 points à 43. Et là, c'est le troisième match de la journée donc, qui va opposer les Seychelles à Madagascar. Match, je vous rappelle, de la poule A. C'est le premier match. Les autres matchs auront lieu demain. Il y avait un autre match qui était prévu après celui-là, mais je ne sais pas s'il aura lieu en principe, non. Qui devait opposer chez les dames les Seychelles et les Comores. Comme vous le savez, je pense que les Comores ont dû déclarer forfait. Mais on n'en parlera pas. On verra ça peut-être demain. On en dira sans doute un mot. Mais pour l'instant, allez, on va s'intéresser donc à cette rencontre. Seychelles-Madagascar. Vraiment un match très attendu ici, puisque c'est le match des deux formations favorites de ce tournoi, avec un outsider, sans doute la Réunion. Et Mayotte. Et Mayotte, oui. Il faut se méfier aussi des garçons. Les Mahorais sont forts, sont très forts. Ils sont revenus vraiment à très haut niveau. Ils ont d'ailleurs battu régulièrement la Réunion ces dernières années. On peut le dire, tout à fait, exactement. Ça fait depuis 2012 que l'équipe réunionnaise n'a pas gagné contre l'équipe mahoraise dans le championnat de la zone océan Indien. Bravo donc aux Mahorais. Déjà, chez les filles, elles ont brillé tout à l'heure face à l'île Maurice. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'il faut aussi dire, féliciter, puisque Mayotte avait perdu en 2011 contre Maurice. Maurice est médaillé de bronze donc des Jeux des îles en 2011. Ça montre aussi que le basket féminin à Mayotte a passé un cap également. Donc, continue d'évoluer. Donc, une belle équipe de combatifs de Mayotte qui a créé sensation tout à l'heure face à l'équipe mauricienne. Ouais, et je vous rappelle que le score est assez facilement, 57-43. C'est un très joli score. Nous qui avons assisté au match, on peut vous dire que c'était assez disputé. Et les Maroises ont fait parler leur technique et leur physique en l'emportant donc assez facilement face aux mauriciennes. Allez, les derniers conseils pour cette rencontre entre donc les Seychelles et Madagascar, l'un des matchs les plus attendus de ce tournoi de basketball masculin, match de la poule B, c'est la première rencontre, de la poule A pardon, c'est la première rencontre de cette poule. Et on a donc trois arbitres, un arbitre réunionnais que nous voyons à l'écran, hein. Fabien Rouget, et puis un arbitre maoré et un arbitre mauricien pour arbitrer cette rencontre opposant les Seychelles à Madagascar. Allez, grâce à des images de notre réalisateur Rachida Hamada Chéréhi, c'est lui qui réalise les matchs de basketball ici. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Il y a de l'ambiance, il y a des belles images. Et je suis sûr que Rachida Hamada Chéréhi ne ratera rien de cette rencontre. Ah lui, il ne rate rien, hein. En général, c'est l'œil expert. En tout cas, la foule est venue nombreuse, les Malgaches sont nombreux pour soutenir cette équipe de Madagascar. Hein. Allez, on rappelle rapidement les règles. 4 cartons de 10 minutes, contrairement à la NBA où c'est toujours 12 minutes. Je rappelle que la Fédération internationale de basketball, c'est le règlement de la fédération. Donc c'est 4 cartons de 10 minutes. Oui, c'est ça, c'est 4 cartons de 10 minutes avec 12 joueurs sur le banc, hein, contrairement au championnat français par exemple. On joue en temps réel, pour ceux qui ne connaissent pas le basketball, c'est-à-dire dès qu'il y a un arrêt, on arrête le chronomètre. Exactement. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le basket, et allez, premier carton de cette première période, dans quelques secondes. Allez, c'est parti. Et le ballon pour les Malgaches d'entrée. Et les deux, non, c'est raté. C'est raté, c'est dommage pour Charles Daguet. Et les Seychelles, les tenants du titre, je le rappelle, ont repris le contrôle de ce ballon. Et attention, Abdelsila. Faute. C'est vrai qu'Abdelsila est attendu sous le panneau, puisqu'ils vont, comme on dit, marquer à la culotte. C'est un joueur dangereux côté Seychellois qui, à mon avis, va faire l'objet d'une surveillance très particulière, hein, de cette équipe de Malgache. Ils ont compris que c'était l'un des points forts des Seychelles.
Allez, Arnaud, le voici. Arnaud Harisol, numéro 6 des Seychelles. Allez, tentative. C'est à côté, c'est dommage. Abdelsila, mais il se chauffe, attention. Le public commence à le siffler. Un peu chambré, oui. Mais ils sont en train de chambrer. Mais bien sûr, ce sont les Malgaches qui le chambrent. Pas de surprise là-dessus. Charles Daguet. Yann et faute. Allez, faute malgache. Et le ballon du numéro 13. Faute du numéro 13, le capitaine de cette équipe malgache, Guillaume. Donc il commet sa première faute, une faute offensive. Allez, le ballon pour Arnaud Harisol. Le meneur de cette équipe séchelloise. Oh, il est pris à son propre jeu. Ah oui, il perd le ballon derrière même, ce qui permet une contre-attaque pour l'équipe de Madagascar, qui n'a pas exploité cette contre-attaque, c'est dommage, puisqu'ils avaient une opportunité de marquer ce premier panier du match. Allez, un panier à 3 points en principe, je ne sais pas s'il a marché sur la ligne, mais c'est à 3 points. Et là, ils ne mettent que 2 points, vous voyez, attention, c'est 2 points plutôt. Ouverture du score par Madagascar. Ah, ils ont... Le 2, c'est autre chose. 3 à 0 pour les Seychelles. Exactement, 3 à 0 pour le premier shoot des Seychelles concernant leur joueur, leur meneur. Donc ça rassure un petit peu puisqu'il avait effectué une petite perte de balle juste avant. Bon, il a cherché peut-être à se rassurer là-dessus. Par contre, on voit des défenses assez rudes sur les joueurs seychellois. C'est une défense individuelle, homme à homme, comme on dit. Et pour l'instant, fait son effet. Ah. Et voilà, encore 2 points cette fois-ci. Signé toujours à Abdelsila. Voilà, il a su faire taire les supporters malgaches. il sait climatiser une salle. C'est vrai qu'il est assez doué dans ce domaine. Et c'est vrai, on a tellement parlé de ce joueur ici depuis le début de ces jeux. Et bien, dès qu'on le voit, dès que les supporters des équipes adverses le voient, ils le sifflent, bien sûr. C'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu, ce n'est pas très grave, c'est pas méchant. Après, il a l'habitude, je pense que dans le monde professionnel, dans le championnat de France, il y a souvent des supporters qui mettent un petit peu la pression aux joueurs adverses pour les déconcentrer, mais Abdelsila, à mon avis... Oui, il en a vu d'autres avec Nancy, avec Cortez. Pour Cortez. Allez, ça repart du côté malgache, ici avec Charles Daguet, et il y va tout seul, faute. Alors... Charles Daguet qui évolue sur le territoire de Mayotte, qui est un joueur qui a connu plusieurs Jeux des Îles et qui vient de provoquer sa première faute et qui se retrouve sur la ligne des lancers francs, qui est un joueur assez craint par ses adversaires. En tout cas, il a une réputation tout à son honneur de très bon joueur malgache. D'ailleurs, il marque son premier panier. Tout à fait, il ouvre donc le score pour Madagascar, mais il y a toujours 5-1, peut-être 5-2. Allez. Il est là, vous le voyez, petit par la taille, mais grand par la technique, par le talent notamment. Allez, ça repart cette fois-ci pour les Seychellois. Un peu plus grand par la taille. Attention, faute sur Amadou Sila. Qui a bien joué le jeu puisqu'il a fait une feinte de shoot, ce qui a eu pour effet de déstabiliser son défenseur qui s'en est pris au piège de ce joueur. Donc Amadou Sila, le frère de Abdel Sila, qui maintenant se retrouve sur la ligne des lancers francs. Allez, creuser un petit peu l'écart. Allez, premier lancer franc, c'est dedans. 6-1 pour les Seychelles. Allez, deuxième tentative. Les Seychellois. Ouais, c'est raté et c'est repris par Charles Daguet. Alors lui, Charles Daguet, c'est vrai, c'est un grand technicien. Mais attention, il va falloir qu'il pense qu'il n'est pas tout seul sur le terrain. Ouais, c'est parti un peu vite et c'est dommage parce qu'il y avait ses collègues qui l'ont suivi, ses partenaires qui l'ont suivi dans la contre-attaque et malheureusement, il est allé dans le mur. Allez, les Seychelles toujours à l'attaque, c'est raté et le ballon est repris donc par Yann. Alors lui aussi, il va tout seul. Ouais, et face
au mur Silla, c'est compliqué quand même. Ah, il va falloir que les Malgaches pensent qu'ils sont pas, qui pensent à jouer plutôt collectif. Ils ont le temps de récupérer le ballon. Alors regardez, il ne faut pas qu'il aille seul non plus. Mais voici encore Charles Daguet. Voilà, il va essayer de dribbler toute l'équipe. Non, pas cette fois-ci. Bien joué. Ah, il a une porte. Ouais, voilà, c'est ça, il a une tentative de shoot. Et voilà. Superbe, magnifique. Beau panier, il avait une position de shoot, personne sur lui. C'est un très excellent choix du numéro 6, c'est Fabrice Constant. Voilà. Bravo. Et 6 à 4. Vous voyez, 2 points d'écart, ce n'est rien du tout en basketball. Allez, Harrison. Silla. Pas de faute. L'autre, Silla. Ouais, il le regarde, il l'intimide un peu. Ce n'est rien. Il intimide un peu légèrement son adversaire. Ouais, ça commence à. Ouais, Fabrice Constant et Abdel Silla. Ouais, ça discute avec les arbitres, mais. Allez, changement. Il va sortir Amada Silla. Il est remplacé donc par le numéro 11, Faisel Leken. Du côté des Seychelles. Et le ballon pour Arnaud Harrisol, le meneur de jeu séchellois. Allez, ça discute encore beaucoup. Allez, il faut se calmer. Voilà, il se plaint. Il dit, allez, il va changer de maillot sans doute. Parce qu'il a un peu de sang sur son maillot. J'ai pas fait très attention. C'est vrai que je sais pas trop. Je sais pas trop ce qu'on lui demande de faire. Ouais, il change de maillot, effectivement. Allez, le voici. Charles Daguet. Non, pardon. Lailana. La Laïna. Allez, ça va repartir pour Harrisol. Du côté. Seychellois. Allez. C'est à côté. Ah, il n'avait pas vraiment une position de shoot là. Hein. Il a vraiment un défenseur qui mettait la pression. C'était quand même un peu forcé. Bon, ils ont récupéré le rebond offensif, donc ce qui permet une deuxième chance à l'équipe des Seychelles. Et là, ah oui, j'ai l'impression qu'ils veulent tellement bien défendre sur Abdel Silla que malheureusement, il en provoque des fautes. Ou heureusement pour l'équipe des Seychelles et malheureusement pour l'équipe de Madagascar. Allez, ça va être donc Silla pour lancer franc. Silla. Voilà, 7 à 5 en faveur des Seychelles. Allez, deuxième tentative pour Abdel Silla. Allez, c'est un match quand même assez décousu pour le moment, il y a trop de fautes, sans doute trop de discussions, c'est normal. Ce sont les deux équipes favorites de ce tournoi avec Mayotte et La Réunion. Ah, le Seychellois numéro 7 Marocco. Magnifique. La sanction derrière, elle est énorme. Allez, c'est Yann Rakotoma Lala. Le joueur de Bordeaux. Hein, Yann qui évolue à Bordeaux notamment. Donc, le Malgache fait partie de cette sélection de Madagascar. Allez, le ballon récupéré une nouvelle fois par les Malgaches. Ouais, on sent. Laïna, chez Daguet. Allez. La Laïna, ici c'est le numéro 13, Guillaume. Oh. C'est raté. Ah oui. Et là. Donc faute de Yann, hein, dont on parlait tout à l'heure, sur le numéro 7 chez Seychellois, Andrew Ratt, qui lui évolue en Italie et qui a rejoint donc cette équipe de Seychelles. Allez, un match quand même. Voilà, les deux équipes ne se font pas de cadeaux. Vous l'avez compris. C'est pour eux important, bon déjà parce qu'il faut la victoire et éviter, finir premier nous évite, enfin leur évite bien évidemment que dans l'autre poule, ils aient face à eux le premier de l'autre poule. Donc c'est important de finir premier de cette poule. Et puis bien sûr, je pense qu'il y a aussi cette rivalité sportive éternelle
puisque La Réunion, Madagascar et les Seychelles ont été trois grandes nations du basket hein, sur les Jeux des îles. Donc il y a aussi cette rivalité sportive, une belle rivalité justement qui nous met tout de suite de l'eau à la bouche. Allez, panier réussi ici donc par Andrew Ratt pour les Seychelles, 10 à 7, vous voyez, match extrêmement serré entre ces deux formations. Charles Daguet pour Madagascar, le meneur de jeu de cette sélection. Peut-être une tentative de l'Alassane. Oh, ça a failli être dedans. C'est dommage, le ballon est ressorti et le ballon est rendu aux Seychellois. D'ailleurs, ça râle, mais... Mais c'est juste. C'est juste, effectivement. Et voilà. Encore un raté du côté Seychellois, dommage. Alors là, il y a un double raté, c'est vraiment... Un prêté pour un rendu, voilà. Ça, c'est ça. Et j'espère juste qu'ils ne comprennent ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que là, à force de vouloir y aller tout seul et aller trop vite, malheureusement, on voit qu'ils perdent énormément de ballons, hein, des deux côtés hein, notamment. Encore le cas. Voilà, encore à ce contre, il a le temps, bravo. Et oui, Yann qui fait le show ce soir au port à l'île de la Réunion pour l'équipe de Madagascar qui ramène Madagascar à un petit point des Seychelles. 10 à 9 toujours en faveur des Seychelles. C'est l'importance hein, de la victoire du premier match, ça conditionne le reste de la compétition. Encore pour le ballon a tourné sur le cercle et il n'est pas rentré. Et les Seychelles toujours devant depuis le début de cette rencontre. Ça c'est quand même dommage hein, d'avoir raté un panier presque sous la main comme ça. Et là, une belle feinte du nouveau joueur numéro 7. On vous rate. Eh oui. Allez, 12 à 9. 3 points d'écart seulement. Charles Daguet pour Madagascar. Dans cette tentative de Yann, peut-être. C'est pas dedans. C'est dommage pour les Malgaches, tant mieux pour les Seychellois. Andrew Ratt, Abdel Silla. Ah, marché. Dave Rosy, marché. Et voilà, encore alors, une fois. Alors, on peut expliquer la règle du marché, oui. Qui est un spécialiste du basket. Ah, la règle du marché, c'est que, la règle d'ailleurs FIBA, hein, sauf aux États-Unis, mais aux zones FIBA, vous devez d'abord dribbler avant de faire le premier pas en courant, ou en tout cas en allant vers le panier ou vers ses camarades. Donc il faut d'abord dribbler avant de faire un premier pas, poser le ballon au sol. Voilà, ce que n'a pas fait le joueur. Exactement. Et là c'est un temps mort demandé par les Seychelles pour justement briser l'élan, essayer en tout cas de briser l'élan des Malgaches. Si on fait 4 ouverts, 4 ouverts circulation, mais la balle doit circuler. Ils ne sont pas de mobilité, on doit profiter. Pour la défense, c'est bien, hein? Mais on doit encore les forcer. Parce qu'ils perdent des balles tout le temps. Si manipulation. Pour l'attaque, déjà, les contre-attaques. Allez, balle latérale, on fixe, on donne. On continue la permutation. Mais ça va, intérieur-extérieur. Il fait mieux va tout le temps. Chaque système qu'on fait, mais si mieux va. Profite. Allez, vous avez entendu ce joli accent hispanique, Angel Manzano. Il a raison, hein, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec lui. Les Seychelles perdent beaucoup de ballons, Madagascar n'en profite pas suffisamment et surtout ne joue pas assez avec ses joueurs intérieurs. Mais je dirais même presque Seychelles, c'est presque la même chose. C'est souvent des actions individuelles des joueurs extérieurs, les meneurs, les arrières. Mais jamais trop de ballons à l'intérieur. Joli, magnifique panier, 3 points du côté malgache. L'Alazan qui marque un panier à 3 points. Et on en est à 12 partout. On l'a dit, vous allez voir, restez avec nous. C'est un match très disputant entre ces deux formations. L'importance de la victoire lors du premier match, je dis ça conditionne la suite de la compétition en général. Et Abdel Silla qui a encore provoqué une faute, une énième faute je dirais à ses adversaires, puisque Yann a vu une faute contre lui, sa première du premier quart-temps. N'oublions pas, il y a aussi la gestion des fautes, puisque au bout de 5 fautes individuelles, vous êtes exclu du jeu. Nous ne sommes qu'au premier quart-temps et déjà des joueurs ont une faute ou deux.
C'est réussi. Bien sûr. Les Malgaches qui sifflent par les supporters. Allez. Et ils reprennent le ballon. Ils ont eu une petite chance avec eux. Un rebond offensif. Mais encore une fois, le numéro 12, donc séchellois, donc Timmy Adam, perd une nouvelle fois la balle. C'est déjà au moins sa troisième perte de balle, malheureusement, depuis qu'il est rentré. Le temps de se mettre dedans, j'espère pour lui, puisque chaque ballon donné à l'adversaire, c'est une chance de panier pour Madagascar. Voilà. Et Dominique Guéret, je pense que prochain temps mort, il ne va pas se gêner pour lui rappeler. Le basketball est un sport collectif aussi, n'oublions pas. Et le public malgache se réveille. Ah oui. Voilà, au lieu de siffler ici là, il ferait bien d'encourager son équipe. Ah, c'est raté. C'est raté pour l'Alasson. Est-ce que Madagascar va pouvoir égaliser sur ce deuxième lancer franc et revenir à la hauteur donc des Seychelles? Et non. Et non. Ah. Il y a une ligne franchie d'un joueur latéral, ce qui permet de donner un ballon supplémentaire au Malgache. C'est dommage. Le Seychellois, là encore, donne une possibilité supplémentaire. Il y a la scène toujours. Ah oui. C'est dedans. 13 partout. Temps mort. Alors, au changement de joueur, changement peut-être. Ouais. Oui, puisque Tanjona, côté Malgache, est rentré. Il est chargé à son tour de défendre sur le numéro 9 séchellois, Dev Rosin. Allez, attention. Il va falloir shooter moins de 10 secondes. Oh là 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 là. Allez, le ballon est touché. Vous voyez les gestes de Silla. Alors, c'est vrai qu'ils veulent aussi tellement donner le ballon à Abdel Silla dessous qu'ils en oublient un peu leur basket. Là, vous avez un joueur arrière sur la droite qui aurait pu très librement récupérer ce ballon et peut-être faire un shoot. Et non, on cherche quand même à remettre Abdel Silla qui soit dit en passant et peut apporter quelque chose de positif. Mais quand il est marqué à la culotte comme ça, il va falloir que les quatre autres joueurs prennent leurs responsabilités quand même. Allez, du côté malgache cette fois-ci. Faute. Allez, Silla. Alors Silla, il a dû lire la presse locale ici à La Réunion, la presse écrite, qui a fait un focus sur lui. Et il ne faut pas qu'il en joue, parce que là, il commence à râler dès qu'il a aussi fait une faute. Attention, Abdel Silla. Tout le monde sait que vous êtes la star ici, mais il va falloir être avec un peu d'humilité, ça ira mieux. Il conteste pratiquement toutes les décisions des arbitres. C'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, malheureusement, on est un peu anti-tout, mais Abdel Silla est quand même profondément quelqu'un de gentil, donc je pense que ça va bien se passer. J'espère en tout cas pour lui, il va se concentrer sur le match, il n'y a pas de problème là-dessus. Bien, voilà. Bien joué, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ne pas tenir compte du public malgache qui siffle à chaque fois qu'il a le ballon. Il est habitué, on l'a dit, au championnat de France. Et d'ailleurs, il doit aller rejoindre Orléans dès la fin de ce tournoi, de sa fin de jeu des îles. Madame disait-il tout à l'heure, arrivant en retard. Oh là 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 là. Superbe panier. Le Abdel Silla's Show, hein, c'est un peu comme ça qu'on peut l'appeler. C'est le meilleur moyen, comme on dit, de faire taire les supporters malgaches. Bon, lui en tout cas, c'est sûr, il n'a pas mangé trop de samoussa avant de venir. Hein. Ça... Attention à cette tentative malgache. C'est récupéré. Nouveau panier. Timmy Adam. Voilà. Il reste 40 secondes dans ce premier carton. Et ça s'accélère côté séchellois. Puisque le panier est accordé. Un lancer franc pour le numéro 12, Timmy Adam. Et le score maintenant, c'est le plus gros écart qu'on ait vu depuis le début de la rencontre. 5 points d'écart. C'est le plus gros écart après le début de match à 4 points d'écart qu'avaient connu les Seychelles. S'il marque ce panier, c'est vrai que ça fait déjà 2 à 3 possessions d'écart. Ouh, c'est dedans, 20 à 14.
Allez. Les Malgaches vont essayer de revenir avant le deuxième carton avec donc Lalassane qui est passé le ballon de l'autre côté. Par contre là on voit hein, que les joueurs de Seychellois sont en défense de zone. Lalassane, c'est dedans grâce au numéro 12. Au numéro 12, Chancy Chanel. De Claise. Harrisol pour voilà, Seychelles. C'est rapide encore, c'est trop rapide. Il donne vraiment les ballons aux Malgaches. Là, hein. Là, Yann, c'est dedans pour Yann. Et voyez, Madagascar qui a recollé au score à la fin de ce premier carton. 20-18. Alors, c'est dommage puisque Yann, c'est extrêmement serré. À chaque fois que les Seychelles prennent un écart, on va dire, entre guillemets conséquent, eh bien les Malgaches recollent tout de suite au score. Eh oui. Non mais c'est à croire qu'ils ont peur de mener, hein, c'est dingue. Ils menaient de 6 points et en espace de 25 secondes, ils reprennent 4 points et vraiment là, il n'y a pas de régularité. From here and now we started around the line. You go first, opposite side of Timmy. Okay, Timmy, you catch the ball, you play the drive. Be careful, you don't travel at the beginning. And go finish in the circle. If not, that means someone come to help. Look for the pass. Robert and Rodney, when you drive, go in the back. Be ready to catch and score. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Au niveau des points, nous avons effectivement l'équipe de Madagascar avec le numéro 5. Donc Yann qui met son équipe un peu en avant, 7 points pour lui. Et en face, celui qui rivalise avec lui pour l'instant au niveau du scoring, c'est Abdel Sila qui est aussi à 7 points. Allez, vous avez vu l'une des plus belles actions où aucun ralenti. Proposé par notre réalisateur Rachid Ahamada Chérihi. Voilà, ça va reprendre dans quelques instants. Ici, une supportrice seychelloise qui danse. Qui elle se met devant les supporters. Ça va. Maintenant, on va jouer Bourbouri avec Dansakeli. On va jouer Korn avec Dansakeli Alefa. Madagascar. Voilà, vous avez entendu le cri de guerre des Malgaches. Alors, ça va être le deuxième carton. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le règlement, on ne change pas de côté. Le deuxième carton, les deux équipes jouent toujours chacune de son côté. On changera à la pause, c'est-à-dire lors des deux derniers cartons. Vous le verrez tout à l'heure. Voilà, ça c'est ça pour les novices, ceux qui ne connaissent pas. Et le ballon est remis aux Seychellois puisque l'entre-deux du début de match était en faveur de Madagascar. C'est la règle de l'alternance. Allez, attention à cette dommage, mauvaise passe, c'est repris une nouvelle fois par Harrisol. Voilà, le meneur de jeu seychellois. Et ben voilà, on a enfin joué à l'intérieur. Raté, oui. Rodney Lozé qui a raté. Et le ballon est rendu au Malgache. Ouais, effectivement, le coach seychellois n'est pas content du tout. D'ailleurs, il le fait comprendre en proposant un remplacement futur hein, du numéro 5 seychellois. Donc Steven qui va faire son entrée. Il n'est pas content, à mon avis, de son joueur extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pertes de balles quand même côté seychellois des joueurs extérieurs. Hein, quand même. Allez, changement de jeu. Allez, les dernières consignes à Steven André, le numéro 5 qui va entrer à la place de Dave Roslin pour les Seychelles. Les Seychelles qui mènent depuis le début de la rencontre. Là, il y a 2 points d'écart. Mais les Seychelles ont toujours été devant pour le moment. Ça brasse un petit peu dessous. Et ça s'est retourné contre le joueur seychellois qui vient de rentrer, malheureusement, Steven. Et la balle est donc une nouvelle fois pour l'équipe de Madagascar. Mais alors, le nombre de ballons que les Seychellois ont donné à Madagascar, c'est Noël avant l'heure. Noël avant l'heure, c'est Noël au mois de juillet, au mois d'août, pardon. Nous sommes déjà au mois d'août. Et oui, ça c'est l'effet volcan. C'est l'effet volcan. Ouais. Et oui, ceux qui adorent les volcans peuvent venir à La Réunion, voir le volcan, dépêchez-vous. Il est en éruption, combien de temps encore? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, si les Seychellois sont autant en éruption que le volcan,
Ils sont toujours devant. Allez, ils sont toujours devant. Allez, avec ici pour Lalassane. Il a changé de côté. Effectivement, le volcan. Et oui, et nous voyons un beau ralenti, effectivement, du panier du numéro 4, Rodney Seychelles, qui met son. Allez, Harrison pour Ahmed. Non, pardon, Robert Léon. Allez, le ballon. Encore. Encore un cadeau. Et oui, vous l'avez dit. Et toujours cette défense de zone hein, de l'équipe séchilloise qui pour le moment oui en termes de scoring empêche un petit peu Madagascar de développer. Maintenant on a vu que sur les rebonds offensifs malheureusement ils ne savent pas bloquer leurs joueurs et ça donne une chance quand même à Madagascar à chaque fois. Allez Yann qui gagne tout seul bien. Ah oui, et il a vu, il a été vraiment culotté de rentrer dans un mur qui lui a ouvert la porte. On peut dire ça comme ça. Cette défense de zone n'a servi vraiment à pas grand-chose. Harrison, il essaie d'y aller une nouvelle fois tout seul. Steven. Robert, il est pris là-bas. Robert. Robert qui est conquérant et qui a obtenu la faute. Robert Léon. On vous l'a dit, c'est un match extrêmement serré entre deux formations très proches l'une de l'autre. D'ailleurs, on le voit par le taux de remplissage de la salle. Hein. On ne peut pas dire qu'on aura ce genre de taux de remplissage à chaque fois. Mais là, il faut bien avouer que c'est assez rempli. Ça montre un petit peu aussi ce match un peu avec ses qualités. Et là, malheureusement... Robert, il ne marque pas son premier lancer franc. Ça aurait pu prendre un petit peu plus de distance avec Madagascar, malheureusement. Allez, Robert Léon. Et voilà, 3 points d'avance pour les Seychelles. Et le ballon donc pour Madagascar. Allez, Ahmed Zayad. Tonjola, il y va seul. Et faute. Alors, faute du numéro 5, Steven André qui à mon avis va sortir pour laisser sa place, effectivement. Voilà, c'est le cas. Donc à Andrew, puisque à peine rentré quelques minutes, il est déjà à deux fautes personnelles pour Steven. Il faut gérer, il y a encore beaucoup de temps dans ce deuxième quart-temps et encore une mi-temps derrière. Donc on ne peut pas se permettre pour un coach de laisser un joueur avec deux fautes déjà sur le terrain. Ouais, il a peu joué, il a déjà deux fautes. Allez, les Malgaches à l'attaque. Bien joué, c'est dedans. Une grande taux. Et vous voyez, à chaque fois, ils recollent le score, mais ils n'ont encore jamais pris l'avantage, les Malgaches. Et là, on revoit effectivement ce shoot avec cette détente incroyable qui a permis à Madagascar de recoller un petit point d'écart. Allez, 23-22. Match extrêmement serré. On vous le rappelle, ce sont les deux équipes favorites de ce tournoi. Avec deux outsiders, La Réunion et Mayotte. Et Rodney, du côté séchillois, qui vient de faire sa deuxième faute personnelle. Le numéro 4 séchillois, donc qui bien évidemment sort. Et avec le retour de Abdel Silla. Allez, Tanjona pour Madagascar. Lalassane. Le ballon est touché. Et il va être redonné au Malgache. Et notamment il a été à Lalassane. Il a été malin, Grando. Grando, pardon. Allez, il n'y a qu'un point d'écart. Vont-ils prendre l'avantage pour la première fois? Lalassane. Voilà, le ballon a été chippé au Malgache. C'est à ça que ça sert la défense de zone et là ils l'ont très bien fait. La défense de zone c'est quand vous défendez sur un territoire et non pas sur un homme. Ah, marché. Et le ballon est rendu au Malgache, encore un cadeau. Et forcément, comme c'est Abdel Silla qui a marché, le public malgache en a profité pour crier et bien montrer qu'ils étaient contents.
Allez, Tanjona pour Madagascar. L'occasion de prendre l'avantage pour la première fois. Du côté de la Grande Île, c'est encore raté. C'est dommage pour eux. Tant pis et tant mieux pour... Et voilà, encore un cadeau. Allez. C'est à côté. C'est incroyable. Est-ce qu'ils sont maladroits en ce moment, les Malgaches? Même pas. Incroyable, raté. On ne le sentait pas à l'aise déjà hein, pour aller au panier. Notre Malgache Ahmed. Il y a la sonne encore. Bah, ah, il a décidé d'y aller tout seul. Et là, il y a faute. Il y a quand même une certaine passivité de cette équipe séchelloise quand même. Hein. Les Malgaches sont à l'affût de tous les ballons. Et on a l'impression que les Seychellois, comment dire, les laissent faire ou les regardent jouer. Alors que à ce petit jeu-là, Madagascar petit à petit va passer devant. C'est d'ailleurs une possibilité là à ce moment-là, puisque il y a deux lancers francs pour le Malgache. Voilà. La seule. Allez, déjà au moins obtenir l'égalisation à 23 partout. C'est raté, mais c'est incroyable. Ils ne veulent pas passer devant. Allez, deuxième chance. Magnifique, 23 à 23, mais le ballon pour les Seychelles. Allez, avec Bernard Bristol, il va y aller tout seul ou quoi? Il y a du monde. Ça fait longtemps. Seul, attention, seul, c'est à côté, largement à côté. On a toujours l'impression que quand les Seychelles vont au panier, on se demande à quel moment ils vont perdre le ballon. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est raté une nouvelle fois. Et le ballon pour Rat ici. Andrew Rat. Et oui, encore un cadeau. Il n'est pas content. Andrew Rat. C'est quand même hallucinant. On n'a pas pris le décompte des balles perdues côté Seychellois, mais à mon avis, on bat quelques records. Ouais, et la colère du coach Seychellois. Il ne reconnaît pas ses joueurs. Et de l'autre côté aussi. Incroyable. Les joueurs malgaches sont de taille plus petits que les joueurs séchellois, mais alors qu'est-ce qu'ils jumpent? Ils n'ont pas froid aux yeux, ils y vont, ils ont la hargne. Faut faire gaffe hein, pour l'équipe des Seychelles, parce que à être trop attentiste et multiplier les mauvaises passes à l'attaque, allez, ça va pas le faire. C'est... Ça faisait quand même cercle. Allez, avec le ballon marché, le ballon est rendu aux Malgaches. Vont-ils prendre l'avantage? Allez, changement. Amada Silla qui remplace Robert Léon pour les Seychelles. Amadou Silla qui est rentré effectivement. Ah voilà, enfin les Malgaches ont réussi à prendre l'avantage, 26 à 23. J'ai envie de dire que c'est pas. Pas démérité. Pas démérité, puis ça ne nous étonne pas hein, en même temps. Vu la conjoncture du match. Voilà. Allez, faute, le ballon, temps mort. Toujours un joueur séchellois au sol qui se serait blessé à un moment donné. Voilà. Il a pris un coup ouais, au visage. C'est dommage, effectivement, ça n'a pas été sifflé alors qu'elle est vraiment flagrante. Ouais. Et il est bien KO. Allez, j'espère que ce n'est pas trop grave. Il faut peut-être s'écarter, il lui fait laisser un peu d'air. Ouais. Merci Rachid pour le ralenti. On l'a bien vu. Il a pris un coup de genou. Regardez. Il est KO, mais je crois qu'il va pouvoir revenir. Alors on va le ralenti. Effectivement, les joueurs séchellois qui se plaignent que ça n'a pas été sifflé.
Effectivement, il y a des brèves. Qui est au sol. Le meneur de jeu, c'est Chélois. Il a pris un coup à l'œil comme un boxeur, mais on espère qu'il va revenir. Ça devra aller. Il est encore un petit peu KO. Le meneur de jeu, c'est Chélois. Un œil de pigeon. Et il y a les supporters séchélois qui donnent de la voix pour encourager leur équipe. Effectivement, je crois qu'ils en ont besoin. Hein. Allez, Silla. Alors, faute. Oui. Faute accordée au numéro 12. Chancy Chanel de Claise pour Madagascar. Quatrième faute. Faute donnée au numéro 4. Au numéro 4, donc Jonah, Silla, et même Michelin a raté. Ils ont. Non, même pas de rebond offensif. Alors là, attention, contre-attaque. Attention à contre-attaque, effectivement, ils sont tous revenus. Tentative, c'est raté. Et les Seychellois vont pouvoir. Allez, rate ici, Andrew. Silla, passe de l'autre côté, c'est raté de la part de Ron Estico. Ce qui est dommage pour les Seychelles, c'est qu'ils sont quand même assez présents au rebond défensif, notamment aussi au rebond offensif, mais ça ne leur permet pas de, malheureusement, d'avoir des chances supplémentaires puisqu'ils perdent autant de ballons qu'ils prennent autant de rebonds. Voilà, donc ça sert un peu à rien. C'est dommage. Alors, je disais, là, il y a les Malgaches quand même qui défendent encore à la culotte, si je puis dire. Ils sont sur un même rythme depuis quand même 17 minutes. C'est quand même assez exceptionnel. Allez, Silla, Manu. Le ballon, une nouvelle fois, est rendu aux Malgaches. Alors que nous revoyons le numéro 6, Arnaud Harisol, qui est toujours en train de se faire soigner. Il a du mal à s'en remettre. Un véritable chaos en boxe. D'ailleurs, la boxe qui fait partie aussi des jeux des îles de l'océan Indien. La boxe qui est une des disciplines des jeux. Vous en verrez sur vos antennes. Allez voir, et là aussi ça va cogner en boxe. Allez, les Seychellois ratent. Attaque, peut-être. Oh là là, mais même ça, il le rate. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Allez, temps mort sans doute, ou changement de joueur. Allez, le ballon pour Madagascar. Toujours 26 à 23 en faveur cette fois-ci des Malgaches. À 2 minutes et 40 secondes de la fin du deuxième carton. C'est ce qu'on appelle un petit score. Effectivement, beaucoup de déchets à l'attaque. Hein, beaucoup de déchets. 23 points et 26 points marqués. Ouais, seulement, c'est quand même peu. Allez, changement de joueur. Le ballon pour les Seychelles. Avec Silla, rate. Rater la tendance à vouloir aller à chaque fois tout seul. Et voilà. Ah, il ne savait pas s'il devait aller au panier ou s'il devait donner à son camarade dessous. Et ben, il l'a pas su jusqu'au dernier bout, malheureusement. Et derrière, forcément. Que de maladresse du côté malgache aussi. Comme ça, de ce côté-là, c'est égalité parfaite. Donc, faute sifflée par l'arbitre mauricien, qui est un arbitre qui d'ailleurs enchaîne les Jeux des Îles. Hein. Il en est au moins à son 4 ou 5e Jeux des Îles. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est très sympa les Jeux des Îles. Et puis,
En arbitrage, il n'y a pas forcément de retraite hein, pour les jeux d'ici. Il arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Allez, faute sur rate, faute accordée. Allez, attribuée, pardon, au numéro 4, malgache. Le problème, c'est qu'il lancera à sa troisième. Il va certainement sortir, oui, effectivement. Ouais. Voilà, le numéro 10 qui le remplace, Daguet. Charles Daguet. Allez. Qui s'y colle, c'est Andrew Rat pour les lancers francs. Allez, faut y aller, faut pas écouter le public. Faut pas écouter les supporters malgaches. La meilleure réponse à voilà, c'est de marquer. Ah, c'est bien, hein. il joue le sixième homme hein, sur ce terrain, les supporters malgaches. Allez, voilà, 25-26, un point d'écart entre ces deux formations. Et le ballon pour Charles Daguet pour Madagascar. Allez, peut-être tentative. Malgache essaie de prendre un peu le large comme Yann ici. C'est raté. Et le ballon pour Rat. Andrew Rat. Il faut donner le ballon à Silla. Voilà, c'est fait, c'est mieux en équipe. C'est mieux le jeu collectif, c'est plus simple et c'est plus efficace en général. Ouais. On a Lucilla qui s'est un peu enfermé tout seul malheureusement. Et le ballon est repris une énième fois. Allison, tentative, superbe panier. Magnifique du numéro 9 malgache Dranto. 29-25, 4 points d'écart, c'est le plus gros écart que Madagascar a réussi à creuser. À moins 10 minutes de la fin de ce deuxième carton. Il a voulu faire la même chose côté Seychellois, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Allez, Rat qui calme le jeu. Il reste une trentaine de secondes. 29-25 en faveur de Madagascar. Réduire l'écart avant la pause. Et faute sur Silla, Abdel Silla. Allez, changement de joueur avec l'entrée de Faisal Meken pour les Seychelles. Et au lancer franc, Abdel Silla pour essayer de recoller le score. C'est raté, il va falloir rester sans doute plus concentré du côté d'Abdel, malgré l'hostilité du public malgache. Et voilà, 26-29, 3 points d'écart, ballon pour Madagascar avec Charles Daguet ici, le numéro 10. Les Malgaches qui gagnent ce deuxième quart-temps pour l'instant avec 5 points d'avance. Donc ce qui leur amène effectivement devant à 3 points, donc 29-26. Malheureusement les Seychelles n'ont pas réussi à garder l'écart de 2 petits points qu'ils avaient au premier quart, à la fin du premier quart, ce qui est dommageable pour les Seychelles. Voilà, ça va être bientôt la fin, sans doute. Il reste moins de 4 secondes à jouer. Temps mort demandé. Dernière consigne peut-être. On fait défense 21, d'accord. Donc c'est Daguet ici, Jerry Daguet ici, c'est la Lasson, n'est-ce pas, toi ici, et c'est Chansi là, et qui encore, qui, et qui là, ça va, écoute, on ne veut pas fauter, Attention, lui il est grand, il va essayer d'être là, je ne sais pas quoi. Attention, les passes longues par ici, Jerry. Si on vole la balle, on a 3 secondes. On peut aller de côté à côté à marquer. Allez, fa. 6 fautes. Allez, fa. Allez, vous avez entendu, lui il est grand, c'est Silla. Il parle de Silla, il ne faut surtout pas de faute sur Silla.
il l'a dit, il est grand. Il reste moins de 3 secondes à jouer et le ballon est pour les Seychelles. Alors il va falloir faire vite aussi de côté seychellois parce qu'il va falloir faire une tentative. C'est maintenant ou rien. C'est fini. On en reste là. 29 à 26. Voilà, c'est la fin du deuxième carton. Ça va être donc la pause. Donc, je dis les arbitres. Oui, effectivement, on va essayer. Ouais. Essayer d'avoir avec Johan Guillou qui va essayer d'avoir un joueur. Et ça va être Abdel Sylla, la star de cette équipe. Alors Abdel, c'est une première mission menée par Madagascar de 3 points. Allez. Alors on a un petit souci de son avec avec Sylla et Johan. On est en train de le régler. Alors ça va peut-être marcher maintenant. Qu'il aille vite après. Allez. Bon, sinon je suis après. Allez, vous l'avez entendu, ce n'est pas très grave. On va laisser aller retrouver ses joueurs. C'est pas grave, Johan. On va attendre le retour des vestiaires. Donc je vous rappelle le score, 29 à 26 en faveur de Madagascar. Donc c'est pas une surprise, on avait dit que ce serait extrêmement serré entre les deux formations. Les Seychelles ont longtemps mené. Là c'est Madagascar qui mène à la pause. Johan, je pense qu'on va rester comme ça pratiquement jusqu'à la fin de la rencontre. Bah, si les Seychelles font pas attention à leur côté offensif, s'ils perdent toujours autant de ballons qu'ils ont perdu en première mi-temps, ça va être assez compliqué pour les Seychelles. Surtout qu'on voit que Madagascar n'a pas, je dirais, un jeu collectif beaucoup plus intéressant que le côté seychellois. Par contre, Madagascar a une équipe, je dirais, où des opportunités sont présentes, des joueurs qui n'ont pas peur de shooter de loin alors qu'ils n'ont même pas une possibilité de shoot et le ballon rentre. Aujourd'hui, voilà, Madagascar est opportuniste, Madagascar est culotté et c'est très bien puisque les pertes de balles des Seychelles leur ont permis de passer devant pour eux, donc c'est très bien pour eux. Par contre, pour côté seychellois, il y a du souci à se faire concernant les pertes de balles. Voilà, merci Johan. On va faire quoi les basketteurs? On va faire une petite pause. Il faut rester avec nous, on se retrouve tout de suite après. On vous promet un match très accroché, très très agréable à suivre entre les Seychelles et Madagascar. Allez, petite pause et on se retrouve tout de suite après. Voilà, retour dans la salle du complexe sportif municipal du port. Je vous rappelle que c'est les tournois de basket masculin, poule A, le match donc qui oppose les Seychelles à Madagascar. Nous sommes exactement à la pause, à la mi-temps, et ce sont les Malgaches qui mènent 29 à 26. Alors, Johan Guillou, 29-26, on l'a dit, ce sont les deux formations favorites. C'est une finale avant la lettre. On espère que le match va rester autant accroché et aussi serré que lors des deux premiers cartons. Ah oui, bah moi, je suis heureux de voir un match serré. C'est toujours agréable à commenter, mais c'est aussi agréable à voir, malgré les nombreuses, je dirais, les nombreux déchets qu'il peut y avoir de part et d'autre. Maintenant, j'espère qu'ils se sont rodés, qu'ils vous ont régler les derniers détails pour pouvoir permettre une deuxième mi-temps, je dirais un peu plus haut en temps couleur, puisque 26 points seulement ou 29 points seulement sur une mi-temps, c'est assez peu. J'espère qu'on aura droit à un festival en deuxième mi-temps. Allez, on va leur pardonner, ils vont se rattraper, vous allez voir. Alors, on a vu à la pause, les Seychellois sont revenus très tôt sur le parquet et les Malgaches sont revenus dans les deux dernières minutes. Il y a une raison à cela. Oh, ça dépend des conseils du coach, hein. Ça dépend des stratégies à mettre en place. Si ça se trouve, les Seychelles, ils avaient besoin de s'échauffer beaucoup plus et donc le discours a été beaucoup plus court, je dirais, en vestiaire. Par contre, côté malgache, peut-être qu'il y avait encore des réglages beaucoup plus longs à faire avec ce coach et ce bel accent qui a été fait dans les vestiaires. Donc voilà, des fois, pendant des matchs, vous voyez, il y en a qui ne viennent même pas s'échauffer. Hein. Ils parlent seulement. Allez, voilà, on repart donc pour la deuxième mi-temps. Je vous rappelle, c'est deux cartons. Donc on va jouer du même côté. C'est la règle du jeu. On va jouer un troisième carton. Et super 3 points malgaches. 32 à 26 et puis un quatrième carton.
toujours du même côté, ça c'est la règle du basketball. Allez. Et nous, on revient donc à ce début de troisième carton. Et vous l'avez vu, les Malgaches ont inscrit 3 points supplémentaires. Réponse, la réponse séchelloise ne s'est pas fait attendre. Et elle est signée Andrew Rat. 29-32. Allez, Allison à son tour, c'est raté. Bien joué. Alors, c'est un peu exagéré. Il aurait dû repartir quand même sur un nouveau système plutôt que vouloir tout de suite se renchérir derrière, sachant qu'il n'était pas dans des bonnes conditions. Allez, cette fois-ci, le public s'est un petit peu calmé. Ne vous inquiétez pas, le public est parti aussi se rafraîchir. Hein. Mais il va revenir en force, notamment du côté malgache qui n'arrête pas de siffler les joueurs séchellois, notamment Abdelsila. Mais cette bonne guerre, ça fait partie du jeu, ce n'est pas méchant. Fezel qui était tellement pressé à aller dunker ou en tout cas aller au panier qu'il en a oublié de poser le dribble et donc qui a fait un marché. Et c'est encore une nouvelle balle pour l'équipe de Madagascar. Et Charles Daguet toujours, qui veut souvent y aller seul malheureusement. Allez, j'allais dire sur le Tony Parker, malgache. Ouais. Non mais j'en rajoute un peu, c'était pas grave. Je ne dirais pas ça, avec allez, tout le respect que j'ai pour les joueurs, mais c'est vrai que Daguet a de toute façon là, ça a été positif puisqu'il a eu une faute provoquée. Par contre, il faut effectivement un peu plus de collectif, malheureusement. On en a très peu cet après-midi sur le parquet. Allez, Charles Daguet, deuxième tentative, il a raté sa première. Allez, pour prendre un petit peu le large, peut-être 4 points d'écart, c'est raté les deux. Et même les trois, j'allais dire. Allez. Et le ballon pour les Seychelles. Et lui aussi, bah, il est le seul Harrison. C'était le joueur qui était KO tout à l'heure. Ah oui. Il va mieux, mais pas trop. Charles Daguet, il a touché. Non, pas de faute. Je pensais qu'il y avait une faute de pied, mais non. Attention à cette tentative. C'est raté. Et ça revient pour Fezel Naken. Allez, le ballon pour les Seychelles. Voilà, avec ici Rat. Il a voulu y aller seul. Tentative. 3 points. C'est l'or. Oui. Une brique. Dommage. Allez. Ici, Abde. Non. Malgache. Yann. Yann, il va y aller seul aussi. Et dommage. Et faute. Faute. Allez, on a l'impression que les deux formations jouent de la même manière, c'est-à-dire c'est plus individuel que collectif. Je pense que c'est assez culturel dans l'océan Indien. Hein. Souvent, les équipes hein, des îles sont de façon très, je dirais, athlétique. Un jeu athlétique, un jeu atypique et un jeu souvent individuel, malheureusement, mais... les qualités physiques de ces joueurs sont tellement énormes qu'ils usent de ça. Mais des fois, on voit que ça ne suffit pas. Hein. Il faut aussi jouer à 5 contre 5. Le basket, c'est comme ça. En tout cas, que ça se joue. Allez, du côté malgache, c'était Guillaume. Là, c'est Yann. Qui est pris par Abdel Sila et qui ne passe pas. C'est incroyable. Toutes ces maladresses d'un côté comme de l'autre. Et le ballon rendu au Seychellois avec Harrisol. Harrisol qui fait aussi le ménage, j'ai envie de dire. Fezel qui nettoie tout sur son passage. C'est un peu comme Monsieur Propre hein, dessous. Là, c'est quelqu'un qui déménage. Allez, Arnaud Harrisol. Il doit être légèrement gêné après sa blessure à l'œil, du moins au-dessus de l'œil, pardon. Tentative, oui. Superbe panier. C'était voilà, 32-32. Une passe bien vue d'Abdel Sila pour un shoot magnifique de ce joueur Andrew là qui évolue, je le rappelle, en Italie. Il y arrive. Eh bien dis donc, 3 défenseurs. Mais alors, qu'est-ce qu'il est fort ce Yann. Il a vraiment peur de personne et puis il a des qualités, mais vraiment assez. Exceptionnel. Allez, Harrisol, il va se faire prendre le ballon, faute de Charles Daguet, le malgache, le ballon pour les Seychellois.
Troisième carton, 34 à 32 en faveur des Malgaches. Et ici Andrew Rat. Silla, Abdel Silla, ce sera Rissol, c'est dedans. Et voilà comment les Seychelles reprennent l'avantage d'un point, 35 à 34. Ouais, un beau shoot de Arnaud là, qui a été très bien servi. Et qui permet aux Seychellois de passer devant, effectivement. Allez, les Malgaches, Charles Naguet, le voici. Fabrice, Yann. Ça shoot pas beaucoup. Silla, Silla, le grand Silla, comme disait l'entraîneur malgache, le grand Silla. Il est là, Abdel Silla, qui s'est fait prendre le ballon. Allez, Yann, il y va seul. Une nouvelle fois, c'est dommage. Véritablement, Yann, il permet quand même à l'équipe malgache d'être en piste et d'être en place. Hein. Vraiment, quelle belle agressivité. C'est un joueur qui provoque énormément de fautes. Et surtout, c'est un joueur qui est le meilleur scoreur d'ailleurs de cette équipe de Madagascar, puisqu'il en est déjà à 11 points à lui tout seul. Je dirais à ex-aequo avec Lalasson. Bon, là, il a deux lancers francs qui lui feraient peut-être passer devant parmi les meilleurs scoreurs de cette équipe. C'est raté. Allez, une nouvelle chance pour égaliser. Et c'est dedans, voilà comment on recolle. On revient à 35-35. Et le ballon pour Harrisol. Il s'est remis sa blessure. Le meneur de jeu, c'est Chélois. Raté une nouvelle fois, c'est dedans. Et pourtant, il y avait une défense devant. Et malgré tout, il a eu le culot de shooter. Et ça a permis aux Seychellois de passer devant. Oh là là, 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 la seule, la réponse malgache, pardon. Pas là, la seule, mais Granto. 38-38. Et malgache qui montre aux Seychellois qu'ils sont bien présents et motivés pour aller jusqu'au bout de ces Jeux des Îles. Attention, Silla, pas de faute. Il y a une faute sifflée sur lui. Oui. Si, voilà, tout à fait. Oui. Donc, faute remise au numéro 15, malgache Ahmed Zayad. Donc, qui en est à sa troisième faute personnelle. Allez, le ballon pour les Seychelles. Ahmed Silla, Abdel Silla, pardon. Et c'est contré par Yann. Il y a au moins une anti-sportive, effectivement. Fabrice. Le joueur n'a pas joué le ballon, ce qui lui provoque donc une faute anti-sportive. Et ça permet aux joueurs malgaches, notamment Fabrice Constant, de se rendre sur la ligne des lancers francs pour deux lancers francs. Mais tout de suite une possession derrière, toujours pour l'équipe malgache, puisque c'est une faute anti-sportive. Et donc c'est une faute sanction, je dirais, encore plus qu'une faute normale. Voilà, merci de rappeler cette règle pour les gens s'intéresse de près. Les fautes effectivement antisportives sont considérées comme des fautes dangereuses, ou en tout cas ne permettant pas jouer le ballon. L'arbitre juge estime que le joueur n'a pas voulu jouer le ballon, mais malheureusement être un petit peu, beaucoup même, antisportif sur ce coup-là. On peut dire que c'est la double sanction. Non seulement on a deux paniers, mais deux lancers francs. Exactement. Et on conserve le ballon. C'est tout à fait pour l'adversaire, c'est la double sanction. Dans cette tentative, c'est raté une nouvelle fois. Silla. Merci. Tous les ballons, cette fois-ci, passent par Abdel Silla. Attention à ne pas se faire prendre et faute. Fabrice Constant, oui, qui fait faute, c'est dommage. Il a voulu jouer l'interception, malheureusement, il est allé un peu trop vite et a percuté le joueur Seychellois. Donc, balle remise en jeu pour l'équipe des Seychelles. Qui donc part avec 16 secondes pour attaquer le panier. Allez, rate Silla. Oh. Voilà qui va faire du bien aux Seychelles, puisque Abdel Silla a marqué le panier. Faute était effectuée en même temps. Donc panier accordé et un lancer franc pour Abdel Silla. Ça fait du bien à l'équipe seychelloise, puisque si Abdel Silla
marque donc ce panier, les Seychelles reprennent l'avantage d'un tout petit point. Alors que nous voyons côté changement là effectivement du numéro 8 malgache, Lalasson qui refait son retour, qui Lalasson, ne l'oublions pas, est un scoreur de cette équipe de Madagascar. Il en est à 11 petits points déjà pour lui. Allez, Silla, c'est dedans, 41-40 en faveur des Bleus des Seychelles. Attention à cette attaque malgache. Ouais. Lalasson, comme vous dites, il est là, c'est raté. Belle bagarre, le ballon en faveur des Malgaches. Sorti par un Seychellois. Ça parle beaucoup hein, entre les joueurs, là on le voit. Allez, c'est le premier match de la poule A. Il va falloir un petit peu de réglage, même s'il y a des matchs amicaux. Ça, c'est une remise en jeu vraiment dans les pieds qui malheureusement n'a servi à rien. Allez, le ballon pour. Et oui, regardez, on discute beaucoup du côté de Silla. Et le ballon, c'est vrai pour qu'il y avait... Bernard Bristol. C'est vrai qu'il y avait une petite tête, une petite faute sur lui qui n'a pas été sifflée. Et là, pareil, on parlait de la mauvaise remise en jeu malgache, mais alors la mauvaise remise en jeu séchelloise. Ah, qui n'a pas vu les Malgaches marquer ce panier pourtant à portée. Allez, le doigt à l'attaque du côté de Timmy Adam. Faute, allez. Le jeu se durcit. Oui, et puis on voit que la tension commence à monter d'un cran parmi ces joueurs, mais c'est normal. L'enjeu est tellement important, au-delà de l'aspect sportif, c'est aussi les Seychelles qui sont médaillés d'or, hein, qui veulent absolument garder cette médaille. Et Madagascar qui malheureusement en 2011 n'a pas participé donc aux demi-finales, ce qui a permis à la Réunion d'avoir sa médaille de bronze, et donc qui a faim et revancharde de pouvoir remporter ce match et pourquoi pas les Jeux des Îles. Allez, puisque c'est un favori. Timmy Adam qui a raté son premier lancer franc, mais il faut être un peu plus concentré peut-être, ça ira mieux. Et voilà, c'est déjà mieux. 42 à 40 en faveur des Seychelles, deux points d'écart, ce n'est rien. Au basket, Charles Daguet, le malgache. Ça y est. Allez, il faut jouer avec vos camarades. Je ne suis pas entraîneur, mais quand même. Bah, surtout, la faute du Seychellois, là, ne sert un peu à rien, puisque d'ailleurs, il défend sur un joueur qui n'est pas son joueur. Il n'a pas en charge cette mission sur ce joueur-là. Il quitte son joueur pour aller être le deuxième défenseur sur un même joueur malgache. Et il fait faute derrière. Par contre, on a vu un changement de défense, changement de méthode côté Seychellois, puisqu'ils ne défendent plus en zone, c'est-à-dire ils ne surveillent plus un territoire, mais ils sont maintenant sur du homme à homme, comme le fait Madagascar depuis maintenant le début du match. Allez, Charles Daguet a raté son premier lancer franc. Et là, ici, le deuxième. Changement à Amadou Silla, et de retour sur le parquet, et la sortie donc de Bernard Bristol, le capitaine. Non, effectivement. Alors, il n'est pas sorti, j'ai pas vu qui est sorti du côté Seychellois. Il arrive de l'autre côté, oui, voilà, tout à fait, c'est le numéro 11, Faisal Neken qui sort. Allez, droite. Tentative de Timmy Adam. Silla. Bien joué, les frères Silla. Eh oui, il y a une alchimie familiale hein, sur ce panier. Mine de rien, avec tout ça, les Seychelles, 3 points d'avance. Allez. 40. Ça repart du côté de Rat, le meneur. À ses côtés, Silla. Abdel Silla, le voici, il est servi. Enfin, on vient prendre effectivement le ballon avec Abdel Silla. Voilà pour son frère une nouvelle fois. Et le ballon qui se plaint. Amadou qui réclame des fautes sur lui. Allez, c'est un temps mort demandé par Madagascar. On va écouter peut-être les coachs. Yes, Abdel. Oui, c'est number 4. Amadou, oui, Saka, la place de Dansakeli. Écoute, on fait 21, ça veut dire défense de zone maintenant.
défense des sons, donc Tchamsi, d'accord, et Dagué, et Lalasson, Saka et Jean, d'accord. Après, individuel, mais maintenant on fait, il n'y a que 8 secondes, 6 fautes bêtes, mais ça va. Bon, écoute, l'attaque, on va jouer poste, il y a les 13 là, on va y aller. Et côté Chamsi, où les 13 est, et après Jean reste en haut, et les tireurs là, ah, ça va, allez, va. Allez, allez, défense de zone, c'est ce qu'il a dit. Ça y est. Le 13, c'est Abdelsi là, toujours ouais. L'adversaire. Oui, c'est ça. Ils vont marquer à la culotte Abdelsi là. Mais surtout là, par contre, contrairement à ce qu'ils faisaient depuis le début, ils vont se mettre maintenant en défense de zone 3-2. C'est pas comme au foot, mais presque. Hein. Vous avez des systèmes de zone 2-1-2, 2 devant, 1 au milieu, 2 derrière. Voilà, là 3-2, 3 dessous, 2 devant. Voilà, donc là, ça va être la défense qu'ils veulent mettre en place. Ah, c'est, voilà, il fallait shooter avant. Le ballon pour les Malgaches avec Charles. Ojel Manzano, entraîneur malgache. Il y va encore tout seul. Là. Pas de faute. C'est accordé ou pas accordé? Ouais, et le panier est accordé, effectivement. Ouais, et partout. Une faute sur un tir à 3 points marqué, ça coûte cher puisque les 3 points sont validés à la fois pour l'équipe malgache, mais ils ont aussi un lancer franc derrière. Donc ils peuvent prendre 4 points là sur une faute aussi lointaine. Et c'est les Alasson qui s'en charge. Ah oui. C'est dedans, bravo. Donc c'est une action à 4 points. Ah oui, Lalasson là qui est à 15 points sur les 45 marqués par Madagascar. Un tiers des points marqués par Lalasson, c'est vous dire à quel point ce joueur est important pour l'équipe de Madagascar. Allez, on repart du côté, c'est chez Loirat, Jour, Silla bousculé et soulevé et félicité par son frère. Oui, puisqu'il a provoqué une faute. C'est pas évident puisque maintenant Madagascar est en défense de zone. Défense de zone, vous êtes un peu verrouillé quand vous êtes grand et dessous. C'est fait un peu pour ça, c'est fait pour verrouiller les grands. Ils sont grands en face et chez Loi, les frères Silla sont de très bons pivots. Donc ça oblige les extérieurs, c'est chez Loi, à shooter. Et ils n'ont pas d'autre solution quand ils vont à l'attaque. Ou alors mettre un système en jeu pour pouvoir donner le ballon à l'intérieur, c'est quand même compliqué sur une défense de zone. Allez, Amadou Silla pour égaliser, c'est raté, et c'est son frère qui reprend, il est en force, et non seulement il reprend le ballon, mais il marque 2 points, qui permet aux Seychelles de mener d'un point, 46 à 45, il reste moins de 2 minutes dans ce troisième carton, match toujours aussi intéressant, aussi serré entre ces deux formations. Adam, c'est dedans, 48 à 45. Allez, Charles Daguet pour Madagascar, bien joué cette fois-ci, voilà, quand on joue en équipe, ça marche mieux, c'est Chancy Janel. C'est magique, voilà, c'est vrai que c'est magique hein, quand on joue, avec la, quand on fait des passes, ça marche, c'est magique. C'est plus simple et c'est plus efficace. Et lui, il y va tout seul et ça marche pas. Et ça, c'est moins dommage. Magique. Ouais. Et regardez quand il y a des passes. Voilà Charles Daguet. On tourne. Et voilà, il avait une position. Magnifique. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. C'est beaucoup mieux. 50 à 48. Vous voyez, le basket est un sport collectif. Elinso Alalaina qui ouvre son compteur de points avec ses 3 points. Allez, en moins d'une minute. Les Malgaches sont passés de moins 3 à plus 2. Et là vous voyez hein, la défense de zone de Madagascar oblige les joueurs séchellois qui jouent à l'extérieur de la zone des 3 points, hein, le meneur et ses deux ailiers, à prendre des shoots puisqu'ils n'arrivent plus à donner le ballon à l'intérieur au frère Silla. Bonne défense. Charles Daguet, il a encore essayé d'y aller seul, mais il a des camarades à côté disponibles. Allez, temps mort ou changement de joueur, changement avec le retour pour de Dave Roselyne pour les Seychelles.
et sans doute aussi de Steven André qui va faire son entrée. Et lancer franc pour Charles Daguet, Madagascar. Allez, creuser un petit peu l'écart. C'est raté. Là, il va falloir demain s'entraîner. Durement au lancer franc, des deux côtés d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a aussi la fatigue. Il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus que d'autres. Forcément. Et voilà, 51-48. 3 points d'écart. Allez, sortie. Du capitaine. Bernard Bristol, le capitaine qui a laissé sa place, on l'a dit, au numéro 5. Donc Steven André du côté des Seychelles. Rate. Allez, il reste 15 secondes à jouer dans ce troisième carton. Et faute. Il a touché le ballon. Est-ce qu'il a touché? Ouais, il y a faute effectivement, ouais. D'Amadou. Qui a voulu prendre le ballon avec Enitsova Lanaina. Malheureusement, faute contre lui. Le problème, c'est que chaque faute maintenant a passé 4 fautes d'équipe contre 2 lancers francs pour l'adversaire. Donc là, cette faute, malheureusement, en fait, pour moi, pour rien, ne permet pas. Donne 2 lancers francs pour l'adversaire. C'est mal réfléchi, c'est dommage pour les Seychelles. Allez, Lanaina pour Madagascar. Et c'est réussi. 4 points d'écart, 52-48, il reste 10 secondes à jouer. Et encore un lancer franc pour le Malgache. On peut creuser l'écart. Et bien joué, 53-48. Allez, dernière attaque de ce troisième carton, certainement. Par contre, il y a le chrono qui n'a pas démarré. Ouais, c'est dommage, le chrono, il est resté bloqué. Voilà. Ils l'ont fait avancer. Ah là, il y a un problème de chrono. Attends, alors, vous avez vu la discussion. Ouais. Merci, Rachid. Amada, Chéri, vous avez vu l'arbitre qui a discuté avec les juges qui sont là sur la... Ils vont rabaisser encore un petit peu le ton, je crois. Oui, tout à fait. Il y a eu une erreur de chrono, donc qui n'a pas démarré alors que Seychelles était parti en attaque. Donc temps mort était demandé pour le coach. Voilà, merci. Et take the time to bump the player and go out. Go out. Ok, we need this basket in view. Allez, go, go, go. Non, 5 secondes. 5. Voilà, vous l'avez entendu. 5 secondes, donc 5 secondes. On va redescendre le chrono à 5 secondes. Guy et Chansi. Allez, Fa. Il semblerait qu'ils vont arrêter le chrono à 4 secondes pour redémarrer le jeu. Donc c'est pour ça qu'on voit défiler le temps. Ils vont descendre le chrono là. Ça discute beaucoup, mais c'est mieux comme ça. Il n'y a rien de. Alors, on ne va pas rester à les 5 secondes. Ah, d'accord. Donc, il reste 5 secondes et 8 dixièmes. Allez, ce n'est rien. Allez, il va falloir. Allez, c'est tout de suite ou rien. Allez, c'est tout de suite. Bien joué, mais c'est raté. Et c'est fini. On va en rester là pour le troisième tiers-temps. 53-48. 5 points d'écart. Johan, ce n'est encore rien. 5 points d'écart en basketball. On le répète, on ne le dit pas. On le dit suffisamment. 5 points, ce n'est rien du tout en basketball. Ça se rattrape très facilement. Oui, c'est 2 possessions d'écart hein, seulement. Par contre, là où je suis inquiet, c'est que je ne vois pas encore vraiment de vraie révolte séchelloise. Donc Madagascar, pour l'instant, est toujours sur son même chemin. Pass, cut, when he's under the basket. Dave, you go to pick here. Amadou, you look. Is there somebody in the middle or not? I think they will have somebody, they do 2-3. Okay, here. Abdel, Arnaud, be ready for this pass. Okay, if not, this pass and this pass, you have to find him inside. Mais au cas où, il ne peut pas sortir, lui qui défend là,
lui qui défend là doit aider. Même Miuba Chimaninuna, s'il est très beaucoup derrière, on fait Miuba Chimaninuna. Mais ça va, on va être concentré sur ça. C'est les 7 qui a nous emmerdé. C'est pas les 13, c'est les 7 qui a nous emmerdé. Donc il faut se concentrer sur lui, c'est lui le tireur. Mais ça va, Tchara, écoute, pour l'attaque, on va jouer. On va jouer Bourbouri, pour lui, on va jouer Poste. Dagué, Poste. Les 13 là, tu vas y aller sur lui. Et après la passe, Dagué, reste ici, viens pas. D'accord. Alors, c'est très clair, c'est pas le 13 qui va nous emmerder, puisque je n'ai du terme, c'est l'entraîneur qui l'a employé, c'est le 7. Le 7, c'est André Ourat du côté de Seychelles. Donc voilà les consignes de l'entraîneur malgache. Vous l'avez compris, il s'exprime. Avec un accent hispanique, ce n'est pas très grave, j'espère que les joueurs ont compris. Le 13, il ne nous emmerde pas, c'est le 7, c'est lui le tireur. Effectivement, il a marqué des jolis points à 3 points. Et c'est donc, on ne va pas trop aller embêter Silla, mais surtout empêcher Andrew Rat de jouer. C'est lui qui fait le jeu. Il faut quand même qu'il fasse gaffe à Silla, hein, parce que c'est vrai que le 7, il est le seul meilleur scoreur de Seychelles. Hein. Il a 15 points à lui tout seul, et Silla a 13 points à lui tout seul quand même. Donc sur les 48, 28 marqués par ces deux joueurs-là. Il va falloir quand même surveiller les deux. Allez, c'est reparti pour le quatrième carton. Et deux points supplémentaires pour Madagascar. 55 à 48, 7 points d'écart. C'est le plus grand écart qu'il y a eu entre ces deux formations depuis le début de la rencontre. Et le ballon pour, c'était pour Harrison. Silla. C'était Steven, la famille Silla sous les paniers. Ah, il fait le ménage, Amadou. Ah, il va voir qu'il se calme sans doute, Amadou Silla. Ça fait deux fois qu'il fait des erreurs. Alors, pour les téléspectateurs, il y a eu la règle des 24 secondes qui a sonné, c'est-à-dire que un joueur d'une équipe a 24 secondes, enfin une équipe a 24 secondes pour attaquer. Si elle ne touche pas l'anneau durant ces 24 secondes, le chrono retentit, le chrono des 24 secondes retentit, ce qui permet à l'adversaire de récupérer le ballon. C'est ce qui s'est passé sur l'attaque seychelloise qu'on vient de voir juste avant celle de Madagascar. Voilà, quand vous avez le ballon, vous avez 24 secondes pour shooter. Toucher au moins l'anneau. Au moins. Ouais, tout à fait. Et donc, les Seychellois ne l'ont pas fait. Du coup, le ballon a été rendu au Malgache, comme ici, pour Yann. Et voilà. On va passer de 7 à 8 à 9 points d'écart. Attention, 9 points d'écart pour les Malgaches qui sont en train de creuser l'écart. Encore une erreur et dommage pour la Laïna du côté malgache. Le ballon en faveur. Alors, le voici, le joueur qui embête les Malgaches. Le numéro 7 est revenu. Harrison. Ah, il a pris un peu de temps au démarrage, Silla. Voilà, Silla, le panier n'est pas accordé. Passe. Panier accordé. Accordé alors, voilà. C'est bon. Alors, effectivement, il est accordé. Il y a une hésitation. Plus un lancer franc derrière. Et l'entraîneur, Malgache, ne comprend pas. Ah, c'est vrai que je ne sais pas si on verra les ralentis, mais. Il est vrai que il semble que la faute a été faite avant que Abdel Silla prenne son shoot. Maintenant, je n'en suis pas sûr, il faudrait revoir les images. En tout cas, l'arbitre réunionnais qui a sifflé, Monsieur Rouget, se fait charrier par le public malgache et la colère du coach malgache. Voilà. Ça repart. Ah, effectivement, on voit bien sur le ralenti, il y avait une faute avant que Abdel Silla démarre son shoot. Bon, voilà. C'est malheureusement comme ça. Ouais, il a été poussé, le joueur malgache, par Silla. Allez, Abdel Silla, bon. Il fait un peu l'étonné, mais je crois bien qu'il y a bel et bien faute. On va peut-être revoir ça. Peut-être que Rachid va nous proposer ça au ralenti, si c'est possible, mais. Voilà. Le ballon rendu au Malgache, on verra ça peut-être plus tard. Allez, c'est reparti. Yann, il va y aller seul.
Oui, effectivement. Effectivement, Yann, il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux sur ce coup-là. Par contre, c'est un joueur que je découvre, moi, personnellement. Je suis étonné. C'est un joueur vraiment exceptionnel. Et voilà comment on peut recoller assez rapidement. 53-57, plus que 4 points d'écart. Alors que tout à l'heure, on en était à 9, il n'y a pas très longtemps. Allez, Charles Daguet pour Madagascar. Il y va aussi. Eh oui. Bien joué pour Charles Daguet. On ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment une défense en face. Hein. On a l'impression que les gens lui ont dit, vas-y, va au panier et fais-toi plaisir. C'est dommage que là, Yann, par contre, rate ce panier parce que c'était pareil. On était sur la même configuration. Alors, faute de Charles Daguet, je crois. Numéro 11, non ? Alors, c'est le 11. Oui, tout à fait. Alors, le 11, c'est la Laïna du côté malgache. Tanjona refait son entrée côté malgache. Donc là, on a une défense très haute et je dirais même en pressing tout terrain des malgaches pour gêner la montée de balle de l'équipe seychelloise. Silla, c'est raté, c'est dommage. Il est grand. Ouais. Allez, ça repart. Mais les malgaches sautent haut. C'est quand même des jumpers. Ça, c'est tentative, c'est dedans. Oh là 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 là. Superbe. Et 3 points. 3 points de Yann. Eh ben dis donc. Et on revient à 9 points d'écart. Quelle révélation ce joueur. Allez. Il va y avoir un changement du côté seychellois avec l'entrée de Timmy Adam. Ouais, puisque. Alors c'est dommage, le numéro 9 qui Dave ressort. Roslin. Ouais, parce qu'il a fait une faute qui n'avait pas lieu d'être. Alors. C'est dommage. Ah, il n'est pas content. Il n'est pas content, l'entraîneur. Malgache, Angel Manzano. Manzano, ça c'est. C'est vraiment. Ça, c'est l'espagnol ou l'italien. Allez, Silla, Adam. C'est à côté, c'est raté. Ah, c'est. Attention. C'est pas un bullshit. Allez, il n'y a pas de faute. Il a voulu un peu trop faire sur ce coup-là, oui. Yann. En fait, ce joueur, il est vraiment exceptionnel. Par contre, par moment, il a des baisses de lucidité. Il veut peut-être prendre trop le match à son compte, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est quand même exceptionnel et qui, des fois, malheureusement, a des petits passages à vide comme ça. C'est dommage. Allez, Silla, en force. Voilà, alors. Le coach de Seychelles n'est pas d'accord, il dit qu'il y a faute. Allez, 55 à 62. Rien n'est perdu, mais rien n'est gagné non plus pour le Madagascar. Allez, Tanjona. Oh là là là. Eh oui. Allez, entraîneur malgache qui n'est pas d'accord avec les arbitres. Il rate pour les Seychelles. Ah, ils défendent large, ils défendent haut, hein, les malgaches. Et en faisant ça, voilà, ils permettent aux joueurs seychellois de s'exprimer en 1 contre 1. C'est plus vous laissez d'espace, plus les joueurs adverses vont pouvoir vous attaquer en 1 contre 1. Voilà, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Le joueur numéro 7 que craignait le coach de Madagascar
Eh ben, il avait raison, puisque sur ce coup-là, le numéro 7, à la fois il a provoqué une faute et il a un lancé franc, mais à la fois son panier est accordé. Et s'il marque, il permet à l'équipe séchelloise de prendre quand même 3 petits points, ce qui n'est pas négligeable quand on voit l'écart de points. Et on va revenir surtout à 4 points. Voilà, 58 pour les Seychelles, 62 pour Madagascar. Le ballon au Malgache. Voilà, dernier carton, je vous rappelle, premier match de la poule A. 9e jeu des îles de l'océan Indien. Ici à La Réunion. Et ne voit l'erreur que de cadeau. Heureusement que c'est raté. Là aussi, c'est un cadeau malgache. Alors, c'est un cadeau qui n'était pas voulu, mais c'est quand même un cadeau. Le voici, le joueur qui fait peur à l'entraîneur malgache. Numéro 7 rate. Quelle maladresse. C'est vraiment dommage. Il avait fait le plus dur quand même en passant son vis-à-vis. C'est dommage. Et on voit hein, que Yann, côté malgache, reste longtemps sur le terrain ce soir pour ce match. Ça veut dire à quel point il est important pour cette équipe. Allez, ça repart pour le Madagascar. C'est le moment. Allez, encore quelques secondes. Il se fait prendre le ballon. Et alors, que dit l'arbitre? Alors les joueurs séchellois ne sont pas d'accord, ils disent que c'est un malgache qui a sorti le ballon. Et je crois pourtant que l'arbitre a raison, hein. Le dernier joueur à toucher le ballon, c'était bien le joueur séchellois. Oui, c'est de plus en plus tendu. Ouais. Magnifique point à 3 points. Je crois que c'est signé Yann, j'ai pas très bien vu. Non mais vous avez raison, c'est encore signé Yann. 20 points à lui tout seul ce soir. Quel exceptionnel joueur. Ça, c'est du bon Bordeaux. Je ne sais pas si c'est du rouge ou du rosé, mais c'est exceptionnel. C'est du gris. À 58, 7 points d'écart. 4 minutes et 26 secondes à jouer encore. Et voilà, c'est raté. Alors c'est quand même bizarre parce que je ne vois pas les Seychelles maîtriser le match. J'ai bien peur que ce match soit encore avec un écart, un tout petit écart certes, mais avec l'équipe malgache devant. Il faut faire un stop hein, de toute façon. C'est bien, vous allez faire plaisir aux malgaches. Je ne sais pas. Mais c'est sûr que là pour l'instant en tout cas... Il y a l'envie d'un côté, hein, et là en tout cas l'envie du côté de Yann Rakoto-Malala, puisque c'est lui qui fait maintenir son équipe d'ailleurs. Hein. Allez, attention, les champions en titre sont menés. S'il y a... Il aurait dû monter au dunk, aurait dû y aller. Un joueur de proie qui rate ça. Ça arrive, hein, ça arrive. C'est vrai que c'est dommage que ça arrive sur lui et là maintenant. Puisque le plus dur était fait, il n'y avait plus qu'à dunker, à arracher l'anneau. Dommage. Oui, c'est vrai que ça arrive, mais il doit s'en vouloir lui-même. Oui. Parce que là, l'écart aurait été encore amené à 4 petits points. Hein. Allez, il va se rattraper. Regardez, ils sont 3 autour de lui. Ah, mais de toute façon, ils ne vont pas le laisser. Hein. Là, ils sont en mission sur lui, en mission sur le 7. On l'a entendu lors du temps mort du coach Manzano. Il n'y a pas photo, hein. Il y a deux joueurs qui sont dangereux côté séchellois. Et j'ai envie de dire qu'il y a un véritable joueur dangereux par contre côté malgache. Même si, il ne faut pas l'oublier, Lalasson a sorti ce soir un match extraordinaire, comme Ndranto notamment également. Voilà, n'hésitez pas si vous êtes ici à La Réunion ou même ailleurs à venir dans cette belle salle du port voir les matchs de basket. Demain, ça va commencer avec Seychelles Mayotte chez les hommes. Très belle ambiance, très beau spectacle. En tout cas, aujourd'hui, on est ravis pour cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses entre les deux meilleures équipes de l'océan Indien. Allez, voilà, encore moins, on revient à 4 points. Vous imaginez quand même que
18 points par Abdelkader Silla et 18 points pour Andrew. Ils sont à 36 points eux tout seuls sur les 61 points marqués par l'équipe des Seychelles. C'est dire à quel point ce match se joue juste entre quelques acteurs, j'ai envie de dire. On est vraiment dans le money time. C'est le moment soit de revenir, soit de creuser l'écart. Oh, c'est raté. Et oui, et oui. Et là, c'est oh là, un là, peu là quel mauvais passe une nouvelle fois. Attention, Harry seul avec les pieds. Il y a une petite faute là, mais bon. Allez, il reste encore un petit peu de temps avant de shooter. Ouais, encore 9 secondes avant de pouvoir prendre le shoot. Allez, c'est le moment. Ah, il va le prendre, Yann, il va le prendre, non? C'est le moment. Et voilà, il est obligé de prendre le shoot. Et c'est raté. Et c'est reparti, ça continue. Oh, oh là là, j'ai l'impression que tout devient compliqué, hein, côté Seychellois. Une passe devient compliquée. Ouais, mais il y a une superbe défense. Là, il y a quand même quelques petites choses. Là, il y a quand même une faute. Malheureusement, il n'a pas été sifflé. Ah, voilà, faute sur Rat. Alors que celle-là est sifflée. Qu'est-ce que c'est tendu, ce match? Il reste 2 minutes et 24 secondes à jouer. 65 pour Madagascar, 61 pour les Seychelles. Alors que par contre, c'est une perte monumentale côté malgache, puisque je dirais le joueur scoreur de cette équipe, Yann Rakoto Malala, a fait sa 5e faute personnelle. Ça veut dire qu'il est exclu du jeu jusqu'à la fin. Il reste 2 minutes 24. Et mon Dieu, que c'est encore faisable cette fois-ci pour les Seychelles, puisque 4 petits points seulement séparent les deux équipes. Et quand vous avez le meilleur joueur adverse qui ne peut pas participer à la fête puisqu'il a fait son quota de points de faute, pardon, c'est bien pour Seychelles. Alors on rappelle, c'est pas comme en football, il est exclu, mais il est remplacé. Tout à fait. Il ne joue pas à 4, il rejoint toujours à 5. C'est en ça. Football, quand vous êtes exclu, c'est définitif. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. On restera toujours à 5. Voilà. Sans lui. Oui, sans mais lui, voilà. C'est Chimanin là. Toi avec l'autre. Et toi, tu peux aider sur les 13. Après, attaque. On joue corps avec lui. Mais ça va. Corps avec lui. Ou Bourbouri avec lui. Mais ça va. Allez, va. Vous avez entendu, je vais résumer. Hein. Toi, tu peux l'aider sur le 13. Donc à chaque fois, c'est le même discours. Tu peux aider. Tout à l'heure, c'est sur le 7, là, c'est sur le 13. Donc ils vont se mettre à 2 sur le 13. Et le 13, vous le connaissez. On vous en a suffisamment parlé. C'est toujours Abdel Silla. Allez, 65 pour Madagascar, 61 pour les Seychelles. Lancé franc, Rat, le numéro 7. Andrew Rat, qui peut ramener son équipe à 3 points. Même à 2 points. Hein. Voilà, oui, mais un premier lancé franc, mais il va en avoir un deuxième. Voilà, maintenant, il faut ramener son équipe à 2 points. Oui. Ah, et là, avec le départ de Yann de l'équipe malgache, ça va être compliqué quand même. Et voilà comment on relance une rencontre en quelques minutes, même pas. Que c'est tendu, que c'est beau. C'est au pif, mais ça a marché. Et regardez ça. Ah. Daguet qui prend le rebond quand même. Il donne une deuxième chance à Madagascar. Qui ont 14 secondes pour attaquer le panier, il ne reste plus que 9 maintenant. Allez, il va falloir tenter, faire quelque chose. Bien joué. Allez, c'est maintenant ou jamais. Bien, parfait. Allez, on reprend 4 points d'avance. Et oui, les joueurs qui n'ont pas forcément marqué marquent aussi côté malgache. Attention à cette tentative. Arbol, c'est raté. Oui. Allez, c'est le moment de creuser l'écart pour Madagascar. Pourquoi ils ne jouent pas avec les intérieurs, les Seychellois? Pourquoi ils ne jouent pas avec les intérieurs? Ils forcent les shoots extérieurs alors que le grand danger n'est plus sur le terrain côté malgache. C'est quand même bizarre. Allez, 10 secondes, 9 secondes pour shooter. C'est le moment. C'est raté. Mais les malgaches sont là, notamment Charles Daguet. Là, il n'y a plus de rebond. Hein. Là, il n'y a plus de rebond. Il faut vraiment qu'ils arrêtent la balle, là. Ah oui, alors il y a faute, il en a rajouté un peu. Oui, tout à fait. Il y a le bruit qui est arrivé après. Hein. C'est un peu une chute du judoka, mais il a bien joué.
On entend tout, de tout et n'importe quoi. Allez, je vais pas vous traduire ce que disent les supporters malgaches. C'est en français. C'est en français, bon, vous avez compris. Allez, 1 minute 10 à jouer, 4 points d'écart. 67 pour Madagascar, 63 pour les Seychelles. Le tenant du titre est-il en train de tomber ce soir ici au port, dans cette magnifique salle? Je vous rappelle, vous pouvez venir voir les matchs de basket avec le programme de demain. Alors que nous voyons notamment des joueuses malgaches dans les tribunes. Au centre, une tamponnaise d'ailleurs du club du tampon qui est malgache, franco-malgache, qui ovulera avec la sélection de malgache de Madagascar. Donc Carole Mangalaz. Une de vos joueuses donc. Pour l'équipe de Madagascar. Donc je vous disais, demain dans cette belle salle à 14h, Seychelles Mayotte à ne pas rater. Ensuite, à 19h, vous allez avoir Réunion Maldives, ça vaut le coup de venir voir les Réunionnais. Ce sera à 19h. Je crois que c'est la première sortie des hommes réunionnais demain. Tout à fait, première sortie nocturne. Allez, il faut venir les voir, les encourager, parce qu'ils auront fort à faire face notamment à l'une de ces deux formations un peu plus tard dans le tournoi. Bon, ça a l'air d'aller hein, quand même pour Daguet. Allez, ça va repartir pour Madagascar. Bien sûr, on va temporiser, mais attention à ne pas perdre le ballon. Et là, ils n'ont plus le choix, là, il faut faire faute. Et récupérer le ballon. Et oui, ils l'ont récupéré. Pas de faute. Ah, ils défendent bien les Malgaches, ils défendent bien. Même s'il y a une faute ici. À moins 10 minutes. Alors cette faute quand même va quand même donner deux lancers francs à l'équipe seychelloise. Et à rate, je crois. Allez, rate, s'il réussit, il va ramener son équipe à 3 points. Allez, encore une chance. Alors, est-ce qu'il peut faire exprès de rater pour récupérer le ballon? Ça sert à rien. Ça sert à rien, il faut qu'il marque les deux parce qu'il faut qu'il se rapproche au maximum quand même. Là, il y a deux possessions d'écart. Il faut qu'il y ait une possession d'écart quand même. S'il devait rater, ce serait le deuxième lancer franc qui, s'il voulait rater, qui peut rater pour permettre un rebond offensif et de remettre deux points derrière. Allez, très bien, voilà l'explication, merci Johan. Attention, on ne peut pas perdre, il n'y a que 3 points d'écart. Ah là, il faut, à mon avis, commencer. C'est Madagascar marque, ça sera fini. Là, il faut faire faute. Il faut que Seychelles fasse faute, quand même. Ou alors, fin des 24 secondes. Allez. Ah, attention. Ça, c'est moche. C'est dommage. Il reste 20 secondes à jouer. Il faut qu'il fasse faute. Absolument, il faut qu'il fasse faute. Pour récupérer le ballon. C'est raté. Alors, que c'est facile. C'est pour, je crois. Pour... Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ils récupèrent le ballon. Ils ont possibilité de partir en contre-attaque, ou en tout cas, jouer les 24 dernières secondes. Il fait une passe à son camarade jusqu'au bout du terrain qui n'arrivera jamais. Mais quel choix bizarre du joueur, quand même. Alors, écoutez, le supporter malgache. Les voici. Merci Rachid, Amada, Chéri. Ils sont venus en nombre, les supporters malgaches. Arnaud, my bad, it's like this. Abdel, Ron, Arnaud, ok? Abdel, remise en jeu. Ron, pick for Arnaud, ok? Timmy, you go here. When Arnaud gets the ball, Timmy, boom, pick like this for Andrew. Pass to Andrew, Andrew, second shot. Strong defense behind, is the ball come on the court, foul. Allez, go, 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 go. Après 3-4 secondes, faute.
Comme ça, il tire pas les lanciers francs. Allez, allez, alors voilà, vous n'avez rien compris d'un côté comme de l'autre, mais ne vous inquiétez pas, les joueurs, eux, ont compris, c'est l'essentiel. Ah, ils vont remettre un... Ça dépendra en fait du lancer franc de Fabrice Constant. 6 mêlés 2, de toute façon, c'est... déjà que s'il n'en met pas, ça devient compliqué, mais alors 6 mêlés 2, c'est mission impossible. Ils n'ont pas intérêt à faire faute derrière, par contre, les malgaches. Premier raté, les Seychellois respirent un petit peu. Ouais, parce qu'un tir à 3 points de l'adversaire pourrait permettre d'amener les équipes en prolongation. C'est raté, attention, il reste en... Allez, 10 secondes. Allez, il va falloir... Voilà, marcher. Allez, c'est mort, c'est mort. Encore une faute, et là, cette fois-ci... Je ne vois pas comment les Malgaches peuvent perdre le ballon et le match à 8 secondes de la fin. Que s'est-on dit ce match, mais quel match, superbe match ce soir. Ah oui, là, je pense que les Seychelles peuvent s'en vouloir à eux-mêmes. Hein. Allez, voilà. Voilà, c'est mort pour les Seychelles. Allez, Silla, tentative à 3 points, c'est à côté. C'est et fini. Voilà, fin du match. 69 à 64. Voilà. Premier match de cette poule A entre donc les Seychelles, tenants du titre, qui sont tombés ce soir face à Madagascar. Je vous rappelle le score, 69 à 64. Dans quelques secondes, Johan Guillou va avoir sans doute les réactions, au moins un joueur de chaque côté. Je vous rappelle les résultats du jour. Donc chez les hommes, Maurice a battu les Maldives dans la poule B, 77 à 60. Et puis chez les femmes, Maurice a été battu par Mayotte, 57 à 43. Voilà. Dès que Johan est pris, nous sommes sans doute avec le coach. En première mi-temps, on va dire. Et puis, cette belle victoire. Ah oui, c'est une belle victoire, surtout parce que pour nous, on n'a pas les moyens pour jouer des matchs amicaux. Donc, c'est le premier match de vrai qu'on joue. Depuis. C'est pour ça que des fois on n'arrive pas à jouer trop organisé. On n'arrive pas à trouver vraiment les moments importants des matchs. Mais à la fin, on est très agressif, très combatif. Et c'est ça qui a nous donné la victoire. Le joueur numéro 5 malgache, Yann, a été exceptionnel ce soir. Bon, c'est pas nouvelle parce qu'il a été déjà 2000 dernières années. Parmi les 5 meilleurs joueurs de la ProBasket U18. Donc il est un bon joueur, il est un bon joueur, il est intelligent. Très bien, merci beaucoup. Merci Johan. Il y a d'autres joueurs de l'autre côté des Seychelles. Vous avez Harrisol qui est là, l'un des meneurs de jeu. Parce que je crois que Silla est rentré au vestiaire. Vous avez un des meneurs là peut-être. Je ne sais pas s'il parle français, mais demandez-lui. Il y a plusieurs joueurs ici. Vous avez aussi le numéro 8, peut-être Ron Istico. Alors, Rat est là, Rat est juste derrière vous. Parce qu'il parle français, sans doute. Allez, Andrew Rat, peut-être qu'il a envie de parler, est-ce qu'il n'a pas envie? Allez, vous le voyez. Allez, Johan, c'est à vous. What's happened on this game for Seychelles? Well, we started with the right rhythm, but sometimes during the game, it happened everything. You know, we lose our point guard for a while because of a very bad hit, and so we started to play a little bit out of spot. But when he went back, everything went okay. About the end, basket is like this. For you, Madagascar, it was better this night? Well, the last edition of Godzilla,
I wasn't here playing in my country. But right now, I can find a team that, like everyone, try to put heart, at least, like us. Et thank you. Merci, vous pouvez traduire hein, si vous voulez. Non, il n'a pas entendu. Johan, venez ici. Johan, merci. Je sais que s'il a été très déçu, il est rentré directement au vestiaire. Ce sont les tenants du titre. Donc, pas de souci. Vous, j'ai pas très bien entendu tout ce qu'il a dit en anglais, mais vous pouvez traduire rapidement. Non, effectivement, il est quand même, ils sont déçus. Il y a eu pas mal de déchets par rapport à l'équipe séchelloise. Après, il reconnaît que ce soir, quand même, Madagascar a joué le jeu à fond et mérite la victoire. Voilà, Madagascar, effectivement, mérite la victoire. Merci de nous avoir suivis. C'est un très beau spectacle. Ce sont les 9e Jeux de l'océan, des îles de l'océan Indien. Venez vraiment dans cette salle. Demain, à partir de 14h, vous allez avoir un grand match. Il y aura Mayotte, il y aura La Réunion. Voilà, merci à toutes les équipes de Rachid Hamada Charehi. On vous retrouve tout au long de ces 9 jours de compétition. Bonne soirée, bonne journée à tous et à très bientôt.